Alors que son règne approche de la fin, Louis XV, malade, demande la création d'une salle de théâtre destinée à accueillir un petit nombre de spectateurs, parmi les proches du roi et de sa favorite. Dans le prolongement de l'appartement de Madame du Barry, à l'attique du château de Versailles, l'architecte prévoit, dans un espace restreint, de bâtir une salle en fer à cheval, une loge royale dotée d'une garde-robe, une fosse d'orchestre et une scène pouvant accueillir un décor en 5 plans. Louis XV mourra avant le début des travaux, et ce petit théâtre de poche ne verra jamais le jour. Ce que vous découvrez aujourd'hui est une reconstruction faite à partir des plans conservés aux Archives nationales. Le logiciel Verspera a permis de créer une première élévation 3D. La modélisation et l'habillage du théâtre ont ensuite été réalisés par les étudiants de la licence professionnelle Patrimoine, Visualisation et Modélisation 3D de l'Université de Cergy-Pontoise.